Mesdames, messieurs, bonjour sur le JT donc de Neuf Solidarités. Donc, comme vous avez pu le constater, donc depuis quelques semaines, on vous met donc des lots à gagner. Donc, la semaine dernière, on a fait gagner donc une friteuse à une personne. Je ne sais plus son nom. Clara. Donc Clara qui avait gagné donc la friteuse. Cette semaine, on va mettre une super balance. Enfin, super. Pèse personne. Bon, pendant le confinement, ça peut toujours servir. Voilà. Donc c'est voilà. Donc un pèse personne a gagné. Donc comme lors du prochain jeu, je vais balancer un mot mystère dans une phrase. Vous retrouvez le mot mystère. Vous me l'envoyez par texto au 06 69 27. 50, 10. De toute façon, il y aura une publication sur le groupe. Et vous commentez sur tout le journal. Les gens qui ne commentent pas, ils ne seront pas pris en compte pour le tirage au sort du pèse personne. Donc voilà. Donc au programme cette semaine, les informations de Nelémine. On passera ensuite aux infos régionales. Ensuite, les informations du RC Lens. Nous partirons à la rencontre de Christophe qui nous parlera de son combat quotidien et de sa volonté. Un reportage émouvant à découvrir. Nous découvrirons le reportage fait à l'US Neu avec Romain et Pascal. Et nous retrouverons pour terminer la météo de Flo à la fin de notre JT. Nous passons donc aux infos de Nelémine. Oui, donc tout d'abord avec cette fuite d'eau donc, qui perdure sur les réservoirs d'eau près de la piscine, donc près du Terry. Donc une fuite qui avait été signalée en février par des promeneurs et aujourd'hui bah, elle est toujours présente. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui pouvaient faire remonter l'information aux personnes compétentes, ça serait bien. Que faire maintenant de nos anciennes photos, cartes postales ou nos anciens journaux de Nelémine? Alors, tout d'abord, sachez que ces biens sont précieux, ils ne doivent pas rester dans l'oubli et doivent rester dans les mémoires. Donc, si j'ai ce type de document, Philippe, j'en fais quoi? Alors, tout d'abord, il faut les confier à la seule association neuxoise, Neu Mémoire, hein, citoyen d'honneur de la ville, reconnue pour la collecte et l'archivage concernant l'histoire de Nelémine et de ses neuxois. Donc, c'est un gage de sérieux. Tous les documents confiés y seront scannés. Rendus à leur propriétaire ensuite. Ces documents rejoignent ensuite la base d'archivage pour permettre de faire perdurer la mémoire neuxoise. Donc ne pas hésiter à les contacter. Bien sûr, vous pouvez aussi consulter leur groupe Facebook hein, où vous pourrez y retrouver un panel de souvenirs, donc un site, enfin un groupe que je vous conseille à les visiter. Donc confiez vos documents hein, pour votre sécurité, confiez vos documents uniquement à une association reconnue pour une vraie garantie. On passe au lycée polyvalent d'Artois qui grignote des places au classement et c'est une fierté pour les Neuxois et les Neuxoises. Comme on le dit, le travail paie toujours et nous en avons encore la preuve aujourd'hui. Alors en effet, le lycée polyvalent d'Artois de Nelémine a grignoté pas moins de 49 places au classement régional des établissements scolaires pour le taux de réussite au bac. Un succès qui récompense un vrai travail de fond, surtout au niveau pédagogique. On rappelle que le lycée compte aujourd'hui 1144 lycéens et lycéennes. On ne peut saluer que toute l'équipe encadrante et bien sûr nos bacheliers. Et si on parlait sécurité maintenant sur Nelémine? Alors, frigo, sujet vaste et qui concerne de nombreuses communes en France. La sécurité pour Nelémine sera prochainement renforcée. En effet, la police municipale prendra ses fonctions en septembre avec bien sûr des missions précises. Le conseil municipal du 23 mars a été l'occasion de l'annoncer. Alors bien sûr, donc il y aura un véhicule équipé de 4 caméras floquées. 4 policiers, telle sera cette nouvelle brigade donc sur notre ville. Leur mission, bien sûr, lutter contre l'insécurité qui existe dans certains quartiers. La lutte contre les problèmes de voisinage et bien sûr un autre grand fléau que rencontre beaucoup de villes, le respect de la propreté en luttant notamment contre les dépôts sauvages. Bien sûr, la prévention sera privilégiée, mais la répression sera quand même là.
Il faudra trouver un juste équilibre pour le bien-être des Nuxois et ils seront équipés de tonfa, de bombes lacrymogènes, mais pas de taser ni d'armes létales. On rappelle également que la ville va déployer des caméras de surveillance dans des endroits stratégiques. Maintenant, un appel à la solidarité pour aider le Secours populaire de Nœux-les-Mines. En effet, l'association du Secours populaire de Nœux-les-Mines lance un appel aux dons afin de pouvoir continuer à aider les plus démunis. On compte sur vous, une cagnotte est en ligne. On va partir maintenant aux infos régionales avec tout d'abord une mauvaise nouvelle pour les associations de Hélicourt. Alors, mauvaise nouvelle, surtout qu'elles arrivent après une année de disette pour les associations de Hélicourt. En effet, l'enveloppe des subventions aux associations est votée à la baisse par le conseil, enfin à l'unanimité par le conseil municipal donc de Hélicourt. Toutefois, le maire assure que si besoin, des compléments pourront être votés. Un produit dit non essentiel sur la rocade minière. Oui, amis automobilistes, quand on dit non essentiel, ça prend bien sûr au deuxième degré, car la sécurité est quand même importante. Donc c'est un nouveau radar mis en service sur la rocade minière dont on vous parle. Il est situé donc secteur Oudin-Berlin. Le bilan aurait pu être très lourd suite à un incendie dans un immeuble à Lapunois lundi dernier. Alors le feu est parti d'un appartement de la rue Jules Ferry donc à Lapunois, donc dans un immeuble. Donc on a dû évacuer 14 personnes. Les pompiers de Auchel, Lapunois, Bruet, Oudin ont été mobilisés. Le bilan humain, un homme de 38 ans ayant inhalé des fumées et une femme de 17 ans ayant fait un malaise. La famille victime de l'incendie sera relogée par la famille. On passe maintenant à l'histoire de ce couple magnifique dont le destin malheureusement a mis un terme à leur aventure. Oui, et ça doit être très dur pour eux, pour moi qui suis un homme de défi, j'imagine la frustration d'Aurore et Jonathan. L'aventure de ce couple de Billy Montigny, engagé dans le jeu Pékin Express, a tourné court lors de la 7e étape. Un tragique accident a coûté la vie à un octogénaire et a blessé sérieusement Aurore. C'était leur rêve, un rêve que Aurore avait réussi à transmettre à Jonathan, des bons moments, des petites galères comme toute aventure. Leurs résultats lors des épreuves pouvaient leur faire espérer sérieusement la victoire. Hélas, le sort en a décidé autrement, une terrible collision a sérieusement blessé Aurore. Elle passera 12 jours à l'hôpital avant d'être rapatriée en France, donc un retour brutal et une terrible désillusion pour ce couple. On part maintenant à la rencontre de Christophe pour son histoire, son combat. Gentiment invité à venir les voir s'entraîner donc ici au Stade Parc. Donc vous avez pu le voir sur le reportage, hein, on a pris quelques vidéos de leur échauffement, parce qu'après on va passer aux choses sérieuses.
Donc, voilà, on va parler bien sûr handicap, mais surtout handisport, puisque voilà, le handicap aujourd'hui, c'est pas forcément rester devant la télé ou attendre que ça se passe. C'est voilà, des gens qui se battent chaque jour pour faire avancer les choses, pour montrer avec une grande détermination qu'être en fauteuil, ben voilà, on peut faire quand même de belles choses. Il y a un esprit de camaraderie qu'on ne retrouvera pas ailleurs forcément. Et ils sont entraînés et coachés donc, par David. Donc David, tu peux nous parler un petit peu de bah, comment tu as rencontré d'abord Étienne et Christophe et puis comment vous avez mis tout ça en place. Eh bien, en fait, j'ai rencontré Christophe, je ne sais pas comment, par pur hasard. Non, en fait, j'ai monté une section handisport ici dans le club de l'Artois Athlétisme. Et on a tracté au niveau des cabinets de kiné, etc. Et Christophe a rencontré un athlète du club, justement, Quentin, qui l'a invité à venir sur la piste essayer un petit peu l'athlète. Donc à l'époque, on n'avait pas ces fauteuils-là, hein. C'était son fauteuil personnel de ville, quoi. Et ça ne l'a pas empêché d'en chier. Et j'ai vu qu'il aimait bien ça, du coup, bah voilà, on a insisté. Et puis on a eu un fauteuil de prêt avec lequel il a commencé à rouler, etc. Et puis bah, il y a pris goût, hein, et voilà, maintenant on en a fait un vrai athlète, un petit peu courageux. D'accord, donc vous vous rencontrez donc ici toutes les semaines, ou comment ça se passe au niveau des, justement, des entraînements ou... Alors c'est tous les vendredis, on a rendez-vous ici ensemble. Après, il faut savoir que Étienne, lui, il a un gros entraînement toute la semaine en triathlon. Et Christophe, lui, a d'autres séances qu'il fait en mixité avec les deux bouts, on va dire. Le mardi et le jeudi au sein du club, et le vendredi ici, plus des séances qu'il fait seul de son côté. D'accord. Donc, donc au niveau, je suppose, donc au niveau volonté, ben, c'est au-delà de, on va dire, d'une personne... En fait, il faut souvent pousser les gens à y aller un peu plus fort, il faut les freiner. Voilà, ouais, voilà. C'est pas la même fonction. C'est toute la différence. Là, on les freine plutôt que de les pousser. C'est ça, parce voilà. Que quand ils ont mal quelque part, ils disent pas, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir arrêter, etc. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, sinon, alors, pour parler handicap, hein, dans la vie de tous les jours, donc c'est moi-même qui ai été un petit peu en fauteuil, je sais que bah, c'est compliqué, surtout au début, il faut s'adapter à beaucoup de choses. Quand vous baladez, par exemple, en fauteuil, bah, une petite marche, ou aller chercher une chose qui est en hauteur, etc. Donc, c'est quoi les principales difficultés que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, ou que vous aimeriez que soit la municipalité ou que les gens améliorent, quoi, en fait. Par exemple, les voitures garées sur les trottoirs, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, mon cas est particulier parce que je vais osciller aussi un peu entre fauteuil et puis être debout. Je peux marcher un peu avec des cales. Maintenant, moi, ce qui m'avait choqué le plus, auquel je faisais pas attention à l'époque, c'était les dévers qu'il y a sur le trottoir, tout simplement, pour voilà. Évacuer l'eau de pluie. Mais ça, en fauteuil, c'est une vraie galère au départ parce qu'on a du mal à aller... aller tout droit, quoi. Enfin, voilà, puis oui, effectivement, monter des bordures, tout ça, après ça s'apprend, c'est vrai que c'est pas inné, mais bon, il y a des choses à améliorer, il y aura toujours des choses à améliorer, mais je pense qu'en France, quand même, actuellement, les 10 dernières années, on peut... Ouais, voilà, il y a un progrès qui se met en place, ah, oui. On voit, moi je suis originaire de Calais, par exemple, à Calais, si je prends l'exemple, c'est que tous les trottoirs, ils sont à fleur de route, quoi, en fait, il y a une bordure qui fait aller 2 cm, quoi, à peine. Donc en fait, les gens en fauteuil, ils peuvent se balader tranquillement sans avoir à se monter une bonne bordure. Je sais que c'est la galère. Et donc au niveau, je sais pas, message par rapport aux gens, on va dire, entre guillemets, qui sont valides, qui sont, voilà, au niveau des places de stationnement. Là, par contre, il y a peut-être un gros effort à faire par rapport au civisme. Le sujet difficile. Hein. Oui, bah c'est évident que se garer sur une place handicapée, hein, simplement quand on n'est pas soi-même handicapé, il faut imaginer que ça peut mettre en difficulté les personnes qui le sont réellement. Voilà, maintenant j'ai été valide à être handicapé. Ouais, voilà. Je,
jeter la pierre, c'est toujours facile, quoi. Mais si on peut faire passer un message, ouais, pensez. Voilà. C'est pas toujours évident pour les personnes qui sont en fauteuil. Moi-même, quand je me déplace avec mes cannes, si je peux, j'essaie de me garer à côté. Et, voilà, ouais, tout à fait. De prendre ouais. une place normale, si c'est possible. Quoi. Voilà. D'accord. Si on peut, alors c'est une question, tu réponds pas, Étienne, parce que je sais que quelquefois c'est difficile d'en parler, parce qu'on se connaît pas, je sais pas, c'est maladie, c'est accident, c'est. Alors moi, c'est un accident, c'est très récent en fait, j'ai pas encore fêté mes 2 ans d'accident. Ah. J'ai eu un accident de sport automobile il y a maintenant 1 an et demi, passé quasiment 2 ans, mois de juin, ça fera 2 ans. Voilà, j'étais très sportif avant, je faisais énormément de courses à pied. Puis donc de la course automobile notamment, et tout de suite j'ai compris que c'était par le sport que j'allais pouvoir m'en sortir, et je me suis donné un nouvel objectif, c'était au départ d'apprendre à nager, donc de pouvoir faire du paratriathlon. D'accord. Et bon, pour faire du paratriathlon, il faut donc la natation, c'est la natation, il n'y a pas de souci. Le vélo s'est remplacé par le handbike, le vélo à bras. Et la course à pied, donc c'est le fauteuil d'athlète. D'accord. Et grâce à un collègue de mon boulot qui m'a dit qu'il existait un club dans l'e-sport donc à Brouilly-la-Buissière, j'ai pu, grâce à ce collègue, contacter David, et c'est comme ça que ça s'est fait. Je suis venu, on m'a prêté un fauteuil, ça faut dire que c'est pas partout. Ouais, il faut le souligner. Parce ouais. que c'est du matériel qui vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis voilà, j'ai rencontré... le maître des lieux, Christophe, Vincent qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Voilà. D'accord, ouais, donc on rappelle, hein, vous êtes à 3, vous entraînez donc régulièrement. Donc je vais revenir un petit peu à Christophe. Bon, Christophe, il veut pas trop parler de choses qui fâchent, hein, donc, enfin pas qui fâchent, mais voilà, donc il est un petit peu plus réservé. Je pense que c'est comme, si je prends mon cas, j'ai mis moi 4 ans à accepter ma maladie. Et il y a un temps d'acceptation, et après, voilà, quand on a accepté, je pense que ça va déjà mieux. Sinon, toi, bah, pareil, hein, je pense qu'au niveau des difficultés de tous les jours, c'est un petit, tu rejoins un petit peu Étienne sur le... Ouais, puisque les gens, ils devraient avoir un petit peu savoir vivre aussi. Ouais, mais après, tu peux pousser un coup de gueule, hein, parce qu'en fait, on est... Non, mais c'est vrai, on est là, mais même moi, je crois... Parce que... Ouais, il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens... Ils le font certainement pas exprès, c'est... Mais par exemple, se garer sur un trottoir, par exemple, hein, je l'ai vécu. Quelqu'un qui va se garer sur un trottoir, qui ne laisse pas de place, au moins pour laisser passer un fauteuil roulant, il faut penser aux gens qui arrivent derrière avec un fauteuil roulant, ils sont obligés de descendre sur la route, de remonter après sur le trottoir. Après, je pense aussi que, pareil, il y a les déjections canines. C'est nous, quand on marche, on les a sous les semelles, quand on est en fauteuil roulant, on les a dans les mains. Bah oui, on les ramasse dans les mains, donc voilà. Donc il y a beaucoup de. Il y a eu du travail de fait, mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Et puis voilà, donc. Donc si t'as un coup de gueule, il faut y aller. Ouais, il y a ça, les trottoirs, et puis aussi au magasin, quand les gens ils font son ventre pour nous voir. Ouais, le regard des autres aussi. Ah, qui est, ouais, déjà, le regard des autres, ou quand on a la caisse, ils font son ventre pour nous voir pour pas laisser passer la place aux personnes, quoi. Ouais. Ouais, il y a encore du boulot hein, de ce côté-là, hein, malheureusement. Mais je pense que, bon, à force, on va y arriver, même si c'est difficile. Il y a aussi, je pense, un problème de sensibilisation en France. Voilà. Où, en fait, on a toujours l'impression qu'il y a les handis, les valides, et chacun de son côté. Voilà. Alors qu'au final, quand on se côtoie, on ne voit même plus le handicap. Quoi. Et c'est ça qui manque en France. On n'a pas ce truc-là. Quand on dit que lui, il s'entraîne avec les valides. Les gens tout de suite sont surpris. Ah bon, bah comment ça se passe? Bah, en fait, ça se passe normalement. Enfin, voilà. Et les gens, je parle de sensibilisation, mais même dans les assos, du coup. Parce que les gens, la première fois qu'ils l'ont vu, peut-être qu'ils ont dit, oh merde, je sais pas comment le regarder et tout. Et aujourd'hui, bah, quand ils croisent le groupe, ils sont 60, 70, enfin, il n'y a pas le Covid. Ouais. Et tout le monde lui dit bonjour, et il dit bonjour à tout le monde. Mais on ne voilà, regarde pas parce qu'il est en fauteuil. Ce qu'on peut, regarde parce que c'est Christophe, quoi. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que voilà, le handicap n'est pas contagieux. Hein. C'est pas parce que vous allez dire bonjour à une personne qui est handicapée ou que vous allez l'aider que vous allez vous retrouver en fauteuil roulant. Hein. Ça, c'est... Pas non mais voilà. Ouais. Donc voilà, un autre regard, voilà, un petit peu plus de réfléchi quand on se gare, quand on, voilà.
ne serait-ce des trucs bêtes, hein, sortir les poubelles, les laisser en plein milieu du trottoir. Enfin, tous les jours, on pourrait. Voilà, en fait, c'est le parcours du combattant pour aller d'un point à un autre. Quand on est valide, ben, c'est tout, on contourne. Quand on n'est pas valide, et ben, forcément, ça devient la galère. Donc, David, donc, qu'est-ce que tu penses de tes deux athlètes? Donc, honnêtement, allez, tant pis pour eux. Non, mais c'est des mecs en or, hein, qui ont un super mental. De toute façon, déjà, pour arriver ici, je pense qu'au départ, il faut un mental. Pour tenir avec moi plus d'un an, il faut aussi un super mental. Et plus que 5 ans, il faut un super. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est des mecs qui ont progressé vitesse grand V. Pas dans le cas d'Etienne, mais dans le cas de Christophe, il a connu une progression monumentale, que ce soit physique ou en termes de performance. Enfin, les deux vont ensemble. Etienne, lui, tout ce qu'il avait dans les jambes, ça arrivait dans les bras en très peu de temps. Ça veut dire Popeye. Et Vincent, qui n'a pas pu être là, lui, par contre, c'est vraiment une progression dingue. Et c'est dommage qu'il ne soit pas là pour en témoigner, parce que la première fois qu'il est venu... On reviendra. Je ne sais pas demain, mais on reviendra dans quelques mois. On fera un petit topo. On peut le lancer aussi un petit message en disant que, voilà, si vous aussi, vous voulez vous lancer dans le handisport, si vous voulez... Il y a encore de la place, je suppose. Il y a encore de la place, mais il n'y a plus de fauteuil. Donc, il y aura un livre bientôt. Ouais. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas à contacter David à ce moment-là. Vous venez le rencontrer directement au 7 Park. Donc, tous les vendredis, 14h. Et puis, vous demandez David. Et puis, voilà, il saura vous aiguiller. Parce que je sais, pareil, hein, une petite. Moi qui. Contre la sclérose en plaques, je connais beaucoup de monde qui ont de la sclérose en plaques, mais qui viennent pas forcément à notre saut parce qu'ils ont peur de pousser la porte la première fois. Et l'anecdote, c'est que cette semaine, bon, j'ai appris le décès d'une personne que je connaissais qui m'a suivi sur mes défis, qui avait la sclérose en plaques, qui habitait Nolémine et qui est jamais venu à mon assaut, vous voyez, parce qu'il n'osait pas pousser la porte, mais il me suivait partout, de près, de loin, mais il me suivait. Donc voilà, il faut oser pousser les portes et puis voilà. Alors, un petit mot de la fin. N'hésitez pas si vous êtes intéressé. Si vous n'osez pas pousser la porte, poussez-la. Voilà. Nous passons maintenant au football et d'abord le foot professionnel. Oui, et encore donc une bonne journée de championnat pour nos nordistes. Hein. Tout d'abord, chapeau à Lille qui allait battre Paris, hein, sur le terrain du Paris Saint-Germain, donc sur le score de 1-0. Les Lillois en profitent donc pour reprendre la première place, hein, donc au détriment justement de Paris. Hein, donc ils ont 3 points d'avance maintenant sur le PSG. Donc félicitations à eux. Les Lensois, quant à eux, continuent leur retour en Ligue 1 toujours avec force. Ils ont concédé le nul un partout contre Lyon au stade Bollaert. On rappelle que Lyon joue pour le titre également, donc c'était une rencontre qui s'annonçait difficile à la base. On peut dire que c'est un bon point de prix qui laisse place toujours à une qualification européenne à la fin de saison. Cette fin de saison qui s'annonce palpitante car 4 équipes se disputent le titre. 4 équipes se battent pour une place européenne et dans le bas du tableau, on se bat aussi pour se maintenir. Donc voilà, un championnat magnifique cette année. On se bat pour cette fin de championnat, mais au niveau amateur, comme vous le savez, les championnats sont arrêtés. Avec à la clé, malheureusement, une saison blanche. Et si on allait voir, du coup, notre équipe de Nolémine pour voir comment ils préparent la saison prochaine. Allez, on est parti. Manager du club depuis
5 ans, arrivé aussi en tant qu'entraîneur en 2012 au club, joueur de l'équipe première et de l'ensemble du projet sportif et éducatif, et de piloter la formation, la préformation, l'école de foot, avec également le travail sur la politique de la ville au niveau éducatif et social pour intervenir dans les quartiers et sur les écoles élémentaires. Présenter un petit peu plus le club, on reviendra après bien sûr sur la situation délicate par rapport aux mesures sanitaires, etc. Donc aujourd'hui, on est effectif jeune, vous avez à peu près combien de joueurs? On avait fini en juin dernier à 526, on est redescendu cette année à autour de 430 licenciés au club. Il y a eu clairement une baisse des effectifs liée à la situation sanitaire. Sur les catégories 5, 6, 7 ans. Donc, pour la situation et la complication de la situation sanitaire en est la raison principale. Pour le reste, nos effectifs sont en augmentation constante depuis plusieurs saisons. Maintenant, au-delà de la quantité, c'est surtout sur la qualité où on a extrêmement progressé depuis quelques années. Et on redevient un pôle important du territoire, du bassin minier et même du département sur la qualité de la formation au niveau des jeunes. Le projet à long terme, c'est d'intégrer un maximum de jeunes sur nos équipes seniors. Et donc, le projet de formation est prioritaire. D'accord. Et donc maintenant, donc en équipe senior, donc on a bien sûr bon, l'équipe A. Hein. L'équipe verte de l'ESNE, mais en tout, pareil, combien de licenciés? Cette année, on avait une petite quarantaine de joueurs seniors sur les catégories pour deux équipes, donc des groupes de 20 joueurs à peu près. D'accord, donc et on rappelle, donc l'équipe A donc, joue en régional. Régional 1, ouais, en R1, anciennement division d'honneur, et l'équipe réserve en D2, elle a été rétrogradée l'année dernière. Suite à l'arrêt précoce des championnats, puisqu'elle n'a pas pu aller son championnat, donc ça a été un coup d'arrêt. Mais voilà, le projet d'investir un maximum de jeunes formés au club nous permet, avec ce niveau-là, de pouvoir le faire sereinement et avec le temps qui est nécessaire. D'accord. Donc maintenant, on va parler donc un petit peu de la situation sanitaire qui impacte fortement le club, que ce soit au niveau, bien sûr, des finances, parce que sans spectateurs, sans manifestations, sans rencontres, forcément qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Il y a aussi l'impact social, hein, sur, quand on a parlé sur les jeunes, hein, qui eux, ils demandent qu'à faire du football. Ton ressenti par rapport à ces deux dernières années, donc championnat arrêté deux fois hein, la saison dernière, avec les places qui ont été conservées, puis cette année c'est pareil. L'année dernière, ils ont arrêté le championnat en se disant ben voilà, si telle équipe est à telle place, on conserve le classement, tant que cette année c'est une saison, on va dire une saison blanche pour les clubs amateurs. Ouais, alors au niveau senior, ça nous a mis un gros coup d'arrêt sur ces deux dernières années par rapport à la progression qui était la nôtre, puisqu'on entamera l'année prochaine notre quatrième année en R1. On avait l'ambition de faire mieux que la première année, qui avait été de finir cinquième de R1 l'année dernière et cette année. Malheureusement, on n'a pas pu vivre ça. Donc sportivement, ça a été un coup d'arrêt. On a eu les conséquences de notre équipe réserve qui est descendue en D2 à cause de l'arrêt des championnats. Donc évidemment, ça a été un frein sur l'évolution du projet. Mais bon, l'ensemble des clubs connaît cette situation. Là où c'est le plus impactant, c'est au niveau économique, puisque une association, un club qui est essentiellement son événement. Et puis au niveau humain, où cette situation elle a fortement impacté, elle commence réellement à impacter aussi la psychologie et le mental des gens sur l'attachement qu'ils ont sur l'institution ou sur la place qu'ils ont dans l'institution. On a pu ressentir ça sur différentes situations. Il est grand temps, dans les semaines à venir, espérons-le, que les choses redeviennent presque normales ou normales, parce que sinon les conséquences vont être dramatiques ou alors très longues à se restaurer.
Ouais, parce que dans les années futures, on risque d'avoir justement une baisse de niveau par rapport aux personnes qui n'ont pas pu. Une baisse de niveau, une baisse des effectifs, une baisse de l'impact social du sport, du foot sur la vie des gens. Voilà. Il est grand temps que la situation évolue. Donc là aujourd'hui, donc on est début avril. Et donc forcément, même si le championnat avait continué, bah on arrive à un moment où on commence à préparer la saison d'après, hein, la saison prochaine, les recrutements, mettre en place des objectifs. Donc encore une fois, c'est compliqué puisque faire venir du monde dans des situations qu'on connaît, ça ne doit pas être évident. Donc comment tu prépares ça là actuellement? Après nous, on a un projet qui est établi sur les 5 prochaines années, donc les objectifs, ouais, ils ne sont pas à l'année, les objectifs ils sont à moyen terme, et avec des objectifs à court terme, mais je dirais que même s'il y a des choses à ajuster à chaque fois, le plan de bataille, tout le monde le connaît. Après, la gestion, elle est plus sur le plan humain, où dans le management, il faut s'adapter à la situation, aux conséquences, aux choix différents des gens sur leur poursuite dans le projet ou pas. Donc c'est à ce niveau-là où on est en train de réguler. On a toujours la chance d'être un club qui anticipe à l'avance les choses, même si parfois il y a des petites surprises. On est en train de préparer tranquillement le recrutement. Les entretiens avec nos joueurs vont démarrer la semaine prochaine. L'organigramme éducateur est quasiment fait. Le recrutement jeune est en cours, même si c'est compliqué puisque les séances doivent être adaptées et on ne peut pas faire venir n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Mais on est dans un plan de bataille qui suit son cours tranquillement. Donc je dirais que dans quelques semaines, on sera déjà sur la gestion de la saison prochaine avec les futurs éducateurs, les futurs groupes. D'ici le début mai, tout devrait être à peu près bouclé. D'accord. Donc avant de te laisser un petit peu travailler, ouais, quand même, on va faire le mot du président, je ne sais pas ce qu'il voulait. Si, je ne sais pas si tu as un petit truc à rajouter. Non, moi ce que je veux juste dire, c'est que le club, c'est l'image de la ville. Et ça doit être imprégné dans les têtes de tout le monde. Les parents, les enfants, les dirigeants, les éducateurs, le comité directeur. Tout ce qu'on fait de bien ou pas bien, c'est systématiquement au nom de l'Émile. C'est pas juste. Il faut travailler tous dans le même sens, dans le même projet et avec les mêmes ambitions, avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire pas énormes, mais contrairement à d'autres qui en ont beaucoup, on arrive malgré nos faibles moyens à faire des choses très très positives. Voilà. Mais l'important c'est l'attitude et l'éthique et les valeurs, donc il faut rester dans ce qu'on fait, c'est très bien comme ça. Voilà. Bah, merci. Écoute, on te remercie Romain pour cette interview et puis plein de bonnes choses à venir pour toi. Merci. Donc voilà, donc on dit un grand merci à Romain pour son interview. Donc il a bien expliqué l'histoire du club, il est très impliqué dans la vie du club, donc c'est un super gars. Maintenant on reçoit son président, donc Pascal Hublet, bien connu aussi des Noxois. Donc Pascal, il y a quelques mois, alors moi j'ai suivi de loin, parce que je ne suis pas Noxois en fait à l'origine, je suis de Calais. Hein. Et donc j'ai appris que tu avais été président à une époque, très investi à l'USD parce que ma première licence elle est de 1974, donc tu l'as encore. Ouais. J'avais 10 ans à l'époque, donc faites le calcul, 57. C'est quelque chose qui a été très très important dans ma vie et dans la vie de pas mal de mes amis, de mes anciens copains, parce que ça nous a fait grandir. La chance nous d'avoir notre club en haut de l'échelle et puis d'avoir nos idoles près de nous. Ouais. On va en passer sur tous les noms, mais c'est vrai qu'il y a quand même des marquants. On en a perdu un il y a très peu de temps, hein, Gérard Brouillet, qui a participé justement à ce genre d'événement de grandeur, puisque je pense qu'on n'arrivera jamais à réatteindre ce niveau. Avec l'aspect financier, c'était important, on avait la chance de.
conservé. Il y a eu des hauts et des bas en 40 ans. Comme tout club. L'association en 40 ans a vécu des événements un peu chaotiques parfois et un peu joyeux de l'autre. On a toujours été assez présent dans le football régional. Donc le club n'a jamais vraiment chuté. Et on a toujours été respecté, je pense, par les adversaires, même si bon. On a l'impression que pas, mais par rapport à mon arrêt et ces quelques années d'arrêt de dirigeant au club, j'ai rencontré pas mal de mes confrères dans le tour qui m'ont montré beaucoup de sympathie pour l'association et pour le travail que le club faisait. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. C'est reconnu aussi par nos adversaires, adversaires footballistiques. Hein, bien sûr. D'abord, le sport, c'est quand même d'abord un sport et c'est aussi des occasions d'avoir des adversaires. Tout à fait. Jean-Marie Verbruge, tout ça, qui ont Bernard Hermé, qui est malheureusement décédé également l'an dernier, qui ont participé à ce centenaire, et avec les gens présents qui faisaient vivre le club à cette époque-là. Donc on a eu beaucoup de beaux événements, un peu de déception aussi. J'ai eu du mal, moi, à accepter la descente administrative de la division d'honneur. DHR à l'année de mon départ. Je vais trouver ça très injuste parce qu'il y a un club d'un club ciblé, mais je pense que c'est pas vraiment le club, c'était sur des personnes. C'était là très moche. Dans l'aspect sportif, c'est très moche. Les joueurs ayant les qualités pour jouer à ce niveau-là ont fait ce qu'il fallait pour remonter tout de suite. Donc ça a commis un petit peu cette histoire, mais ça c'est quelque chose qui m'est resté en travers de la gorge. Et puis voilà, donc, je suis revenu cette année avec l'assistance, parce que Romain et beaucoup de gens qui sont connectés m'ont demandé de venir leur redonner un coup. J'étais plus persuadé que j'avais ma place à ce niveau-là. Les événements actuels de ce qui se passe parce qu'on n'a jamais vécu, on n'a pas de repère et quand on n'a pas de repère, on a du mal à penser. Voilà, puis on ne sait jamais, on n'a pas de date de se dire, par exemple au mois de juillet, bon allez c'est bon, on est sauvé. Il y a les confinements, il y a les vaccinations, il y a ceci et cela, mais on n'arrive pas à se projeter sur ce que l'on a vécu avant cet événement-là et ça c'est un peu compliqué. Le principal c'est qu'on puisse continuer à avoir donc on précise hein, parce que je tiens à le souligner parce que on est en période sanitaire, donc forcément il y a des mesures sanitaires qui sont mises en place. Il n'y a pas d'opposition, hein, c'est-à-dire que les gamins ils ont une distance entre chaque joueur, ils font des exercices, il n'y a pas de contact. Je pense que c'est un peu comme dans l'éducation nationale, c'est de garder les gamins concernés par ce qu'ils apprennent et ce qu'ils aiment.
j'adore en plus le foot, ou le sport en général, je pense que dans d'autres sports c'est pareil, le besoin de pratiquer c'est important pour quelqu'un qui bien sûr, peut faire, sûr. Et empêcher quelqu'un d'avoir un peu de plaisir, surtout pour des gamins, c'est compliqué. Alors on cherche à les mettre chez eux devant la télé ou devant des jeux vidéo, donc il faut les laisser pratiquer en essayant de faire attention à se protéger. Mais je pense que la protection c'est aussi le respect, donc voilà. C'est aussi un rôle... Ça fait partie de l'éducation. Un rôle social et d'éducation entre les parents et la relation des éducateurs, c'est-à-dire de pourquoi on a la chance quand même d'essayer de pratiquer, mais de garder cette distance. C'est important quand même qu'il y ait cette continuité sociale et existe encore. D'accord. Donc avant de passer au mot de la fin, parce qu'on a parlé de... En fait, on a parlé de ton plus mauvais souvenir, mais forcément, s'il y a un plus mauvais, il y a un meilleur aussi. Donc, le meilleur souvenir que t'as du SNE. Il y en a plein, mais le vraiment celui-là qui t'a le plus marqué. Je sais pas, c'est très compliqué parce que ça peut être dans chaque décennie, il y a eu des choses hyper importantes. Bon, c'est vrai que si je prends mon rôle de président, l'année d'avant, on était monté en DHR aussi par un miracle, puisque ça a été effectué sur le terrain, mais par quelque chose qu'on n'envisageait pas. La deuxième fois, l'année suivante, c'est la remontée en DH. Ça faisait plus de 30 ans que le club avait voté le commandeur. C'est vrai que là, ça a été un gros coup. Mais bon, je l'ai pris aussi parce que je suis très affect du passé, des gens du passé. Je pensais que c'est... Je pense encore, c'est que c'était rendre un petit peu d'honorabilité à des gens qui sont disparus, qui ont œuvré pour la réussite. Voilà, ouais. Il y a des tas de noms qui viennent à ma mémoire, mais il y a des tas de gens qui ont porté quand même au club X fois dans des difficultés. Et ces gens-là, je les ai connus, je les ai côtoyés, j'ai apprécié ce qu'ils faisaient. Et à un moment, justement à tous ceux qui ont permis de continuer et de pouvoir vivre ça. Donc c'est un peu ce moment-là. D'accord. Alors le mot de la fin. Le mot de la fin, je ne sais pas, aux parents. Sur l'histoire du Glasno, voilà. Que les gens continuent à être fiers. Alors, quand on parlait de la transition, elle est importante, puisque aujourd'hui, je m'aperçois qu'on va avoir des éducateurs qui ont été des gamins, qui ont démarré en débutant chez nous. Maintenant, on a bientôt des grands-parents qui ont joué en jeunes chez nous, qui ont leurs petits-enfants chez nous. Ça, c'est des événements très importants, donc il faut continuer à avoir cette chaîne-là. Et puis, de tous ceux qui peuvent nous aider, c'est-à-dire les sponsors, la ville, voilà, on va toujours dire qu'on est toujours demandeur, mais de toute façon c'est le nerf de la guerre, ouais. Et même les professionnels demandent de l'argent, donc je vois pas pourquoi les amateurs auraient les amateurs ont d'autant plus besoin, justement, ouais. Si on veut faire quelque chose, si on veut faire quelque chose de bien, on peut pas le faire sans rien. De toute façon, on sait que c'est pas dans des intérêts personnels, c'est des intérêts très collectifs, et c'est pour améliorer l'ordinaire des gens. Donc si on peut nous améliorer l'ordinaire, voilà. On est preneur. Et on remercie déjà les gens qui ont au moins à avoir cette pensée-là. Et puis on va souhaiter qu'on puisse refaire ce que l'on faisait très bien avant, rapidement. Voilà. Merci de votre... Merci à toi Pascal de nous avoir reçus donc ici. Après cette superbe entrevue avec Pascal et Romain, on retrouve la météo avec notre ami Flo. Amis Nexoises, Nexoas, bonjour. Qu'il est loin le temps où nous avions 24 degrés, où le soleil brillait pleinement,
Ou quand j'ouvrais ma fenêtre pour aller sur la terrasse, je sentais la bonne odeur des barbecues, des brochettes, des merguez, des ailerons de poulet. J'ai senti ça le mercredi 24 mars 2021. Malheureusement, cette semaine, j'ai été sur ma terrasse et j'ai simplement senti le froid. Je me suis dit, ouais, faut que tu rentres. Et effectivement, je suis rentré, j'ai fermé la fenêtre, j'ai rouvert le chauffage et j'ai remis les couvertures. Effectivement, cette semaine, nous avons eu un temps hivernal. Nous avons eu pas mal de gelée. Nous avons eu quelques petites chutes de neige. Et le temps, malheureusement, a alterné entre passage nuageux et éclaircies. Vous avez pu vous apercevoir à partir de ce mercredi une légère hausse des températures jusqu'à ce vendredi. Mais malheureusement, ce samedi, les températures ont une nouvelle fois chuté et le ciel n'a pas été à la fête vu que nous avons eu quelques petites pluies. Pour ce dimanche, le temps s'annonce mi-figue, mi-raisin. Nous aurons une alternance de soleil et de passages nuageux, mais malheureusement, les températures ne seront toujours pas à la fête vu que nous attendons une moyenne de 7 à 8 degrés. Pour la semaine prochaine, le temps s'orienterait vers un temps très maussade. Je peux d'ores et déjà vous dire que la semaine prochaine, vous pourrez sortir les parapluies et les kawés. Effectivement, la semaine prochaine, nous attendons pas mal de pluie, très peu de soleil et pas mal de nuages. La seule bonne nouvelle de la semaine prochaine, ce seraient les températures qui seraient tout simplement de saison. Enfin des températures de saison, vu que la semaine prochaine, nous attendons peut-être une moyenne de 14 à 15 degrés. Mais comme c'est une moyenne à 8 jours, les moyennes à 8 jours ne sont jamais fiables. Je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche, profitez du soleil. Je vous souhaite une excellente semaine, sortez bien les parapluies et les kawés. Et quant à ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Donc merci Flo Frigo. La semaine prochaine, nous vous ferons découvrir un univers fantastique et pour beaucoup un univers que vous n'avez certainement jamais vu. Nous parlerons aussi d'un sujet sensible, l'alcool et ses ravages. On vous dit donc rendez-vous samedi prochain. En attendant, nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine et prenez Prenez soin de soin de vous. vous.